Chers web spectateurs, bonjour. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de l'innovation. En effet, l'innovation est un élément incontournable pour toute structure d'entreprise. Les institutions financières, notamment les banques, sont elles aussi très portées sur cet élément clé pour leur développement. L'innovation agit tant au niveau des structures, des process et in fine au niveau des services rendus aux clients. Consciente de ces enjeux, la BMCI a depuis longtemps placé l'innovation au cœur de ses plans stratégiques. Nous recevons aujourd'hui Madame Sana Salem, qui est responsable développement des produits cash management de la BMCI. Madame Sana Salem, merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Si vous permettez, je vous poserai quelques questions. Parlez-nous un peu du cash management. Le cash management est un métier en développement continu qui vise à faciliter la gestion au quotidien des flux de trésorerie de l'entreprise. Donc sa valeur ajoutée est d'autant plus avérée dans un contexte difficile de crise de la liquidité. Comme vous le savez, l'enjeu principal pour la direction des financements et de la trésorerie au sein des entreprises reste d'optimiser le besoin en fonds de roulement, et ce, en optimisant la gestion de leur trésorerie. Donc le cash management au sein de la BMCI et au sein du groupe BNP Paribas désigne la ligne de métier du corporate banking qui accompagne les clients au quotidien pour améliorer la gestion de leur trésorerie. Donc l'approche cash management fait partie de la culture du groupe BNP Paribas. Grâce à cette culture et à l'expertise du groupe en matière de cash management, expertise reconnue mondialement, nous avons pu développer au niveau de la BMCI un pôle d'expertise en matière de cash management qui nous permet aujourd'hui de mieux conseiller nos clients dans le choix des solutions adaptées à leurs problématiques et à leurs besoins. Exactement. En termes d'organisation, la BMC a dédié des experts au métier cash management, constitués principalement par une équipe de chargés d'affaires spécialisés par segment, donc multinationales, institutionnelles, etc., et aussi par zone géographique, ce qui nous permet de couvrir tout le territoire national. Une deuxième équipe de développement produit qui a pour principale mission l'amélioration continue de l'offre et l'innovation en termes de solutions. Et troisièmement et enfin, une équipe implémentation qui assiste les clients dans le déploiement des solutions. Merci. J'aurais une deuxième question, Madame Salam. Dans l'ère de l'explosion numérique, quelle est votre stratégie d'innovation bancaire et comment vous anticipez le changement ? L'innovation fait partie de l'ADN de la BMC et du groupe BNP Paribas. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'appartenir au cercle restreint des banques qui placent l'innovation comme un levier stratégique de leur développement. Dans un contexte concurrentiel et en transformation perpétuelle, l'innovation est en effet un levier de différenciation qui fait partie de notre stratégie d'innovation. De par notre appartenance au groupe BNP Paribas, présent dans plus de 70 pays, nous bénéficions de l'expertise du groupe dans des marchés similaires au marché marocain. Ceci nous permet souvent d'anticiper les changements et d'être précurseurs sur le marché marocain. Et dans le cadre de notre stratégie 2020, nous avons déjà identifié plusieurs changements pour anticiper en fait, les changements liés à l'explosion numérique. Et bien sûr, nous restons constamment à l'écoute du marché et de nos clients pour anticiper tout autre changement, qu'il soit d'autres technologiques, réglementaires ou autres. Quels sont les services clés à même soutenir cette dynamique d'innovation ? La BMCI propose une offre de services cash management, une offre riche et complète qui permet de répondre à tous les besoins et toutes les spécificités de nos clients. On peut décliner ces services en trois grandes familles de produits. Donc, d'abord, les moyens de paiement. Donc chaque entreprise, quelle que soit sa taille et son domaine d'activité, doit payer ses charges, ses salariés, ses fournisseurs, encaisser la recette de ses ventes, etc. Donc nous retrouvons dans cette famille de services tous les moyens de paiement classiques, à savoir le chèque, l'effet, le prélèvement, le virement et aussi les virements commerciaux et la monétique. Dans la deuxième famille de services, on retrouve différentes solutions e-banking. Pourquoi différentes solutions e-banking ? Eh bien, tout simplement parce que les besoins changent d'une entreprise à une autre et cela dépend de plusieurs facteurs. De la taille de l'entreprise, son organisation, des volumes des opérations et leur nature, la localisation des comptes bancaires, le système d'information de l'entreprise, etc. La dernière et la troisième famille de produits concernent les solutions de centralisation de trésorerie,
qui permettent de réaliser d'une façon totalement automatisée une gestion centralisée de la trésorerie entre plusieurs comptes, qu'ils soient détenus sur les livres de la BMCI au Maroc ou à l'étranger sur les livres des filiales de BNP Paribas. J'aurais une dernière question. Au-delà d'une culture d'entreprise, comment vous mettez ce segment de l'innovation au service de la clientèle? Pour répondre à votre question, je vais vous parler de quelques solutions innovantes que nous avons développées pour répondre aux nouvelles demandes et problématiques rencontrées par nos clients. Je vais commencer par parler de Conexis Cash, qui est une solution e-banking développée avec le groupe BNP Paribas et qui offre une vue et un contrôle exhaustif sur tous les comptes du client, qu'ils soient détenus par des filiales du groupe BNP Paribas ou par une banque confrère. Donc, les clients peuvent, via Conexis Cash, suivre en temps réel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 l'ensemble de leurs comptes et peuvent aussi initier en toute sécurité leurs opérations de paiement. Je vais aussi vous parler de deux autres solutions innovantes que nous avons développées et où la BMCI a innové là où on s'y attend le moins. Donc, je vais parler des moyens de paiement espèces et chèques. Je vais commencer par le chèque. Donc, en 2013, nous avons lancé la solution BMCI e-chèque qui consiste à dématérialiser le processus de traitement des chèques et valeurs. Donc, c'est une solution qui est destinée aux entreprises qui encaissent un nombre important de recettes sous forme de chèques ou effets. Donc, c'est une solution qui apporte plusieurs avantages aux clients. Donc, gain de temps et par conséquent gain en date de valeur, une gestion optimisée des recouvrements et une gestion aussi optimisée de la trésorerie. Donc, par rapport à la solution BMCI e-chèque, la BMCI est la première banque de la place à avoir lancé cette solution innovante. La dernière innovation dont je vais vous parler, c'est la solution coffre-fort intelligent. Et là aussi, la BMCI a été la première banque de la place à avoir proposé cette solution sur le marché marocain. Donc, c'est une solution qui consiste à dématérialiser le processus de ramassage et d'encaissement des recettes espèces. Donc, c'est une solution destinée aux entreprises qui ont un nombre important de recettes espèces à encaisser et qui sont confrontées à plusieurs problématiques. L'insécurité, les charges administratives liées à l'inventaire, les comptes, etc. Et aussi aux problématiques de la trésorerie qui reste mobilisée dans les caisses et les locaux de l'entreprise. Donc, c'est une solution qui apporte plusieurs avantages aux clients, notamment la sécurité et une gestion optimisée de la trésorerie, puisque les fonds ils sont disponibles sur le compte bancaire de l'entreprise dès le lendemain du dépôt dans le coffre. Madame Salam, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour l'invitation. Chers web spectateurs, merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous avec le prochain expert du corporate banking BMCI.